Joyeux Noël, Agnès. Qu'est-ce que tu fais là, Dami? Ta gueule et allume ta caméra. Yo tout le monde, c'est Terranis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Danou. Et aujourd'hui, c'est un unboxing avec deux colis, putain, oui, deux colis, Danou, putain. Assez d'argent des abonnés pour deux colis. Joyeux Noël. Du coup, on a deux colis, celui de Danou et le mien, pour un total de plus de 200$. Ouais. C'est un truc de fou, c'est du jamais vu sur la chaîne. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire en deux vidéos. La première vidéo, celle-ci, celle qui est d'aujourd'hui, sera de Danou. Et ensuite, on finira avec le mien dans une seconde vidéo. On va tout de suite prendre le cutter pas cher qui coupe tout, même le verre. Ça, c'est une bonne affaire. Et on va tout de suite pouvoir... Non, moi, on va pas prendre le cutter pas cher qui coupe tout, même le verre. On va prendre le bon vieux couteau cher des familles qui coupe tout, même le saucisson. Le saucisson, ça c'est important, c'est un unboxing de saucisson, on ne fait plus de la drogue, nous sommes maintenant du Pays Basque. Tu m'en veux si ton beau tapis se retrouve découpé? Oui, ah, je t'en voudrais beaucoup. Alors, voyons voir comment il est fait. Ouvre ici. Oui, oui, bah, c'est ce que je comptais faire. Allez, on va ouvrir ça. Allez. Là, attends, là tu vois du rouge sur le colis. Attends, j'y vais tout doux parce que... Coupe tout même le verre. J'ai dit le saucisson. Coupe tout même le saucisson. Il coupe mieux le saucisson que le plastique. Oh putain, Fast and Furious le mec. Le colis. Bon, je crois que je vais un peu t'aider. Voilà. Regarde, même à la main. Eh, on a du Pays Basque, hein. On le fait à la main. C'est important. Oh là là, oh mon dieu. C'est dégueulasse. Mange pas ça, putain. Allez, bon. On va sortir tous les cubes. Comme ça, il y aura pas trop de suspense, parce que je trouve que tout gâcher, enfin tout montrer, ça va pas aller. Vous voyez, il y a des cubes bizarres, oui, il y a des trucs intéressants. Allez, vas-y, Billy. Allez, Billy. Regardez-moi tout ça. Tiens, Billy. Oh mon dieu, que c'est beau. Tiens, Billy. Oh. Socle. Allez, l'unboxing de Noël, c'est parti. Voilà. Alors, vous voyez, on a déjà 4x3x3. Mais pas n'importe quel 3x3, oui, puisque oui, ce sont oui. Des éditions limitées d'Anne. Non, 3x3 d'édition limitée, celui-là non. Oui, bon là on a un X-Men Tornado, mais nous avons 3 éditions limitées. Il y aura 2 3x3 pour Danou et un qui est à moi, parce que ils sont géniaux. Donc nous sommes en décembre, c'est des éditions pour Halloween, nous sommes donc en 2 mois de retard. Voilà. Mais bon, ce qui est tout à fait normal. 2 mois de retard, c'est très normal, venant de ma part, pour moi. Allez, on va commencer par le premier. Le X-Men Tornado, vas-y Danou, montre-nous ça en caméra. Alors, j'essaye de pas faire le mauvais cubeur. Je t'emmerde Danou. Allez, comme ça va être joli. C'est beau, oh, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, putain. J'ai pas envie de... Bon, bah prends le cutter cher, tu coupes tout, même le verre, même. Ça c'est une bonne affaire. Ça c'est une mauvaise affaire, parce que c'est trop cher. Non. Bon, je ferme ma gueule, je suis trop c'était compliqué. C'était pas cher. Je suis trop compliqué, faut que j'arrête. J'ai toujours rêvé d'un petit couteau qui coupe tout. Moi j'ai toujours rêvé d'être un artiste. Pardon. Allez, on s'en fout des papiers, on vous l'a déjà dit. Ouh, il est gras. Il est gras. Mais il tourne bien. Mais il est bien gras. C'est le saucisson. Voilà. C'est vrai qu'il a l'air. J'en ai sur les doigts. On m'en fout partout. Tu as quoi sur les doigts? Mes mains sont toutes huilées. Il est complètement mort. C'est la magie de Noël. C'est pour toi ou c'est pour... Non, c'est pour un pote. C'est pour un de ses amis. Allez, donc, je vais tellement pas respecter le cube. Allez, non, mets-le là. Allez, voilà. On va prendre lequel? On finit par les éditions limitées et on fait celui-là avant?
Allez. Donc ensuite, le petit 6x6 Yuxin Red. Red. Il est trop beau, le dragon. Ça va, Danou, t'es pas en... je suis en sur le... C'est quoi? Oui. Alors, je préviens, ça va être le premier 6x6 de Danou. Tu vas en chier. J'ai déjà du mal avec un 5x5, donc... Allez, c'est parti. Le Yuxin Red stickerless. 6x6. Avec ouais, la notice, on s'en Tu sais dire chinois ou japonais? Oui, ça veut dire bonne vidéo, Irénis et Danou. Voilà, donc, du coup... Ah. Wow, et joyeux Noël. Non, allez. Ça fait bizarre déjà d'avoir un 6x6 entre les mains. Vas-y, bah essaye. Moi, je sais ce que c'est, un 6x6. J'en chie. Il est pas un peu huilé aussi? Il est un peu gras, ouais. Ils sont tous gras chez les cubiteurs. On sait pas ce qu'ils ont. Ils ont mangé du saucisson juste avant. Voilà. Ou pas. Tu veux Allez, je vais tester. Ouh, il est un peu dur à... Ouais. Il est gras et dur. Ça me rappelle on va trop loin. On va trop loin, les gars. Non, moi, j'aime bien. Hein. Moi aussi. Franchement, je pense que tu peux le faire. Peut-être qu'il faudra un peu le desserrer, je pense. Ouais. Donc, le Yuxin 6x6. Donc, on va passer cette fois-ci. Cube de d'Halloween. J'allais dire de Noël. Non, pas... Non. Mais ces couleurs-là, c'est pas vraiment Noël. C'est dark. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà... C'est donc un Moyu Weilong GTS. C'est Pupkin, édition limitée. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup l'eau, franchement. C'est vraiment... Oui. Un petit logo, ce qui fait plaisir. Bon, bah, je l'ai fini. Alors, mon... Alors, qu'est-ce Il est pas trop gras. Par contre, les finitions sont un peu bizarres. Ils ont fait ça avec les pieds, hein, ils étaient tapés. Oula, mon dieu, que c'est moche. J'avoue, je suis pas très fan. Je crois que ça manque énormément de lubrifiant. Ouais, bah, ils ont lubrifié avec les pieds. Ça manque beaucoup trop de lubrifiant. Après, le côté orange, moi, je le trouve sympa. Bon, à la caméra, ça fait plus rouge. Hein. Ouais. Mais, ouais, c'est sympa avec le petit intérieur noir. Ouais, c'est mignon. J'aime bien. C'est tout mimi. Ah, attends, ça commence à venir. Tiens, test. Ça commence à revenir. Faut le roder, je pense. Oui, faut l'habituer. Faut l'habituer. À la douceur. À la délicatesse. Le foyer. Non. Bon, ça. Merde, j'ai fait un placement de produit. Et merde! Donc, on a des stickers. Si, voilà, Danou, il veut les replacer. Non, je te les offre si tu veux. Tu me les donnes? Je te les offre. C'est vrai? Cadeau de Noël. Ah, mais ça me ferait beaucoup plaisir. Puisque moi, tu sais bien que je déteste les stickers. Eh ben écoute, je vais les garder. Je te remercie, Danou. Merci. Merci. Vous avez vu l'amitié qui est terrible. Désabonnez-vous à la chaîne de Danou. Sticker ! Merde, putain, j'avais parlé de logo. En plus, j'en ai besoin parce que mon Weilong GTS a eu un problème, les stickers orange. En fait, le sticker orange a noirci au soleil. Du coup, en fait, je vois plus la différence entre le rouge et l'orange. C'est terrible. Regarde, je prends la boîte. Elle se pute seule. Ça c'est la magie, ça. Ça c'est la magie de Noël. Ça c'est un cube. Ouais. Tu veux un autre cadeau? Ouais. Tiens. Oh oui, j'ai encore des stickers, c'est génial. Merci Danou, merci. Je préfère limite en noir avec l'orange à l'intérieur. Mais moi aussi, putain. C'est pour ça qu'il y en a deux, parce qu'il y en a un pour moi. Je suis en train de le mélanger là. Arrête, je vais pas savoir le résoudre. Tiens, vas-y. Allez, fais-le. Ah, il est mieux. Ouais, il est bien beaucoup. En gros, tu t'es trompé dans les résolutions là. Ah, moi j'ai fait encore un truc. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là, regardez-moi ça comme ce beau. Oh, oui, putain de merde. Ouais, franchement, c'est génial. Bon, bah voilà, hein, le petit unboxing de chez Danou est à présent terminé. Oui, je crois. Et je trouve que c'était un bon achat en fait d'avoir utilisé ça. Parce que, en plus, c'est des éditions limitées, donc pas tout le monde qui en ont. Bah si, beaucoup de monde, puisqu'ils n'avaient pas prévu. Oui, enfin bon, dans le monde... Oui, oui, bon, bah, surtout France, on ne pourra pas faire... Ah bah tiens, c'est Noël, le 24 décembre, je vais me commander des cubes d'Halloween. Mais bien sûr. Récapitulatif, X-Men Tornado, 3x3, deux Grim Reaper, limité à Halloween,
Pumpkin édition limitée aussi. Je crois que cela c'était Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. Non, c'est lui Jack O'Lantern. Ah oui, Jack O'Lantern. Ça c'est Green Reaper. Ah, oui. Et le Uxin Red avec 3 stickers de Waylon GTS pour en mettre dessus si on en a besoin. Oui. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Écoute, on va passer du coup, nous, au tournage de ma partie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Pouce rouge à la chaîne d'Arenis. Je t'emmerde, Anou. Et donc, voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! À plus! Oui!